La Coupe du Monde de foot, c'est du sport, c'est de la politique, c'est des enjeux économiques et c'est parfois des histoires de famille. En cette année 2010, en Afrique du Sud, on va avoir deux joueurs, Jérôme Boateng et Kevin Prince-Boateng, qui vont jouer l'un contre l'autre. Et pourtant, ils sont issus du même papa, un papa ghanéen. Ils ont été tous les deux formés en Allemagne, mais l'un, Kevin Prince, est un petit peu plus virulent que l'autre, un petit peu plus indiscipliné, et donc il ne sera pas sélectionné en équipe d'Allemagne, alors que Jérôme, lui, sera sélectionné. Donc Kevin Prince décide de jouer pour l'équipe du Ghana, comme le règlement l'autorise. Les deux frères Boateng vont se retrouver à jouer l'un contre l'autre lors du dernier match du groupe. L'Allemagne va l'emporter, mais les deux équipes vont être tout de même qualifiées pour la suite de la compétition. Le Ghana de Kevin Prince sera battu en quart de finale par l'Uruguay, mais l'Uruguay sera battu par l'Allemagne de Jérôme lors du match pour la troisième place.